pleine nuit une soucoupe volante et ses deux passagers. Alors, monsieur De Wilde. Alors, j'ai entendu mon chien qui criait, pas normalement. Alors, je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. Je me suis donc approché donc ici, vous voyez. De ce qui s'est passé, j'ai eu deux hommes, je vous dis, deux êtres. Alors c'est là que j'ai pensé... À quelle distance était-il de vous? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près, quoi, 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez les nous, ces deux hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Oui, à peu près comme ça, vous voyez. Moins haut que la barrière. Alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la tête, ça. Et puis ça, vous voyez, c'est là qu'ils marchent. Là, comme je les vois, là, tous les deux... Et ils n'avaient pas de bras? Je ne vois pas les bras. Je ne fais pas attention aux bras, vous savez. Vous n'avez rien vu? Non, je n'ai rien vu dans les bras. Alors, c'est quand je vois les jambes, parce que je les vois marcher. Ils couraient, ils marchaient? Non, ils marchaient. Alors, aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil. Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Et il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8... Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais rien. Ah ça, écoutez, ça je pourrais rien vous dire. Hein. D'après la police de la voie, là, pas la police de la voie, mais la police de l'air, elle a fait des mesures et tout. Mais voilà un martien là, non? Ah non, ça c'est mon fils, ça, monsieur.